Salut à tous, c'est Eonym et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode combien? Le 7ème 7 je crois, l'épisode 7 de ce let's play sur Borderlands 2 avec Little Nut et l'engin du X. Ouais, et je me balade sur un gros câble métallique. Voilà. Et moi j'espère qu'il va tomber. Ouais. Non, je vais pas tomber, pourtant pour grand plaisir. Voilà. Alors, je me recharge un peu, hop. C'est bon, tout est prêt, hop. Voilà, nickel. Comment ça se fait que j'ai plus de... J'avais un sniper, moi, avant. J'ai revendu ? Ou peut-être qu'il est dans son inventaire et... C'est bizarre. Je sais pas. D'ailleurs, le snipe, si jamais, faudrait que j'en trouve vite un nouveau, bien plus mieux, parce que... moi, j'en ai un vieux tout pourri. On attend peut-être Hieronym avant d'y aller. Ah bah tant pis. C'est pas grave. Nice ass. Oh. Salut. Salut, la forme? Les bandits me surnomment le Faucon Ardent, mais je m'appelle Lilith. Je suis avec les pillards comme toi. Attends, ne parle pas tout de suite qu'on attend des rounds en fait. Bref, eh ben. Longue histoire, grosse hémorragie interne. Tu peux me filer un coup de main? Moi, je veux bien aider, hein. Referme ta brigade, toi. Écoutez, elle est rousse, elle est mignonne, tout ce qu'il faut, hein. Va me chercher de l'héridium. Ah, on meurt si on va ici. Ok. Pourquoi t'es déjà mort? J'ai voulu voir si une zone on pouvait y accéder, mais en fait non. On tombe et on meurt. Ça avait l'air d'une plateforme, mais ça n'est pas une. Ok, ouais, donc il faut qu'on aille chercher de l'iridium. Donc en fait, je suis le seul à aller vers le coin où il faut. Exactement. Pendant qu'il y en a un autre qui se suicide bêtement comme un plouc. Mais non. Elle a l'air sympatoche, hein. Qu'est-ce qui lui arrive là? Ouais. Elle vient d'absorber de l'iridium. Ah d'accord, elle est en train de se droguer en fait. Merci. Je parie que tu cherches Roland, hein. Il est pas ici. Les sans pitié l'ont capturé. Ils sont surexcités. Ils m'avaient jamais voilà. Traqué comme ça. Ok, je suis elle est tombée du plafond. Safe. Ils sont dedans. Chopez-le. Chopez-le. Je sens qu'on va se marrer. Je vais voir si... Chopez-le. C'est parti! Ta gueule! Le faucon ardent! Oh là là! Je me rappelle ce que ça fait la corrosion en fait, l'engin, pendant ce magnifique combat de l'épicness total. La corrosion... Enfin, c'est un peu comme l'épic, ça bouffe la santé des ennemis sur le temps, quoi. Ok. Ça diminue pas les... Ça augmente pas les dégâts qu'ils prennent en fait. Je suppose que si. Ouais, je trouve que l'engin il a une bonne position. Hein. Bah, je sais pas attaquer. Moi j'ai un snipe pourri donc je ne tire pas. Et je regarde Eonym mourir. Je suis pas en train de mourir. Vous avez qu'à faire pareil, vous vous mettez en hauteur, voilà. Je veux pas dire, mais là Lilith, putain, elle arrive boum 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 dans ta gueule. Hein. Oui, tu morfles. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Ah, voilà, c'est bon. Ouais. Ils ont trouvé une autre entrée. Ouais. En même temps, ton truc, il y a un peu des entrées partout, Miss. Hein. Je pense qu'elle avait pas forcément prévu ça. Les attaques de masse. C'est ça. Oh, la grenade qui fait mal. Bon, niveau de brutasse 10, j'ai encore débloqué une apparence. Sérieux, faut te calmer, hein.
tu joues trop sur le skin, l'engin. C'est pas ma faute. Merde, par contre, j'ai plus de grenades. Au revoir. Oh non. Faut que tu me descendes mon perchoir. Oh, je suis mignon, j'ai pas fait gaffe à ça. Je suis juste à deux doigts de la mort. Il y a de la santé. Il y a de la santé là-haut. Là derrière moi. Ouais, j'ai vu ça. Ok, elle est apparue devant moi là comme une apparition. C'est ça. Après, Voilà, c'est fait. Voilà. Bouffé pour ça. Putain, les sadis brutaux, ils sont vraiment hardcore. Ouais. Ah, un cours de munitions. Merci. Y'a rien. Oula, laissez-moi le finir, le sadique brutal. Attends, bon, tu vas l'avoir. Oui, si la salope ne me le pique pas avant. Vas-y. Allez, vas-y. Plus de munitions. Salope. J'ai plus de munitions de rien du tout. Ah quoi que. Évidemment qu'ils ont aucune chance, mais eux ils le savent pas. Attendez, le tuez pas tout de suite. Enfin, affaiblissez-le, mais faut que je puisse le. Moi je vais chercher les munitions et je reviens. En plein combat, allez hop, je me casse. Mais on charge. C'était serré. Oh là. Wow. On s'ennuie pas. Je suis un peu vidé quand même. Tu peux me filer une autre dose d'iridium? Elle est droguée. Bah moi, la... Drogue. Drogue. Quand elle veut, hein. Voilà, tu peux lui donner ça, ça ouais, drogue. Ça. Tu veux bien m'en donner? Bon, entre temps, moi j'ai level up. Hein. Ah, bien joué. Merci. Elle peut absorber de l'iridium pur comme ça. Bah, vas-y, tranquille. Hein. Ah, ouais. Oui. Depuis que l'arche a été ouverte, mes pouvoirs de sirène sont un peu. Oui, je m'amuse. Grâce à ce truc-là, l'iridium. Je sais pas pourquoi. Bon, et si on s'occupait de sauver mon fiancé? Son fiancé? Oh non, hein, je suis pas d'accord. Oui. Je me casse. Ah, je oui. me casse. J'arrête ce jeu. Non, 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 c'est pas possible. Je m'en vais. Je m'en vais. J'en ai marre. Non, 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 mais moi, ce que j'aime bien, c'est. C'est la nana quand elle a avalé son iridium. Hein. Elle était. Elle avait l'air d'apprécier. Non, mais moi, je dis, j'arrête ce jeu, c'est tout. Voilà. Merde. Hein. Oh, c'est bon, l'autre. L'autre, elle est pas célibataire, non? Non, non, en plus elle sort avec un black, je suis pas raciste, mais j'en ai marre quoi. Putain, et voilà. Toujours, hein, toutes les filles que je veux. Et voilà. Ah, voilà, tu te frappes. Salope, salope. Attendez, elle va nous faire une téléportation suprême. Je t'ai fait bouger de 3 mètres, c'est ça? Désolé. Je ne maîtrise pas encore tous ses pouvoirs. De toute façon, à Bloodshot Stronghold, c'est pas détendre. Tu ferais peut-être mieux de t'entraîner avant de te frotter à eux. Et au fait, tu t'en sors drôlement bien. Continue comme ça. Dégage, crève. On brûlera ton corps. C'est bien les fails de téléportation. Elle passe vraiment pour une conne. Ouais. Avant qu'elle dise que Roland c'est son mari, je l'aimais bien. J'aime bien, depuis tout à l'heure, elle arrêtait pas de se téléporter là comme une grosse salope, elle foutait des gars dans tous les sens, et puis là, pas foutu de téléporter deux mecs.
3 mecs. Enfin, 2 mecs et une fille. Non, 2 mecs. 2 mecs et une fille. C'est pour ça que j'ai dit 2 mecs par réflexe. Tu parlais d'un. J'ai dû la traumatiser en fait, c'est pour ça. Oh, oh. Shotgun, c'est pour moi ça par contre. Vas-y, prends. Merci pour le salaud qui a pris le shotgun. Attends, non mais je m'en fous, je joue pas au shotgun, c'est de la merde le shotgun. Bon bah d'accord, très bien, donc je garde. Ninja! Boum. Bah attends, je m'amusais un peu à... Non, je peux pas, c'est génial. Ah mais ça nous a bouffé 10 minutes cette connerie quand même. Eh oui. Oh. Téléportation rapide à Sanctuary. Non? Eh bah hop. Et là pour troll. Salut. Je pourrais rendre la quête mystère médical machin. Quoi. En même temps. Chez moi, on achète sa survie. Là c'est pas moi. Espèce de salope. Ah bah attends, là j'étais dans le bar. Bon, qui fait la... Voilà. Plus personne ne touche à rien. Et quelqu'un lance le truc. Voilà. Fais gaffe toi. On est... Vous voyez là, limite en train de me narguer. Attends, je vais peut-être ouvrir le menu avant qu'on y aille. Salut la terreur, je suis à Sanctuary. Fais attention, les sans-pitié se sont installés tout autour du barrage. Et alors ? Conseil, trouve-toi une caisse. Faites attention, les sans-pitié. On va s'arrêter là. Ils se sont installés autour du barrage. Là. Y a une. Une station de. De bagnole. Ah, t'as pas été à Sanctuary ? Hein ? Ah, il fait pas les Sanctuary tout de suite. On pouvait pas. Y a pas de TP à Sanctuary. Bah, si, y en a un. Bah, je sais pas, il m'a. La validation de la quête, c'était ici. Ah, d'accord. Ah, oui. Ah, oui, parce que faut le sauver Roland avant. Oui. Et oui, je sais. On va arriver, on n'aura pas le droit de rentrer. On va devoir. On va débloquer le deuxième véhicule qui est bien plus fun que celui-là. Ouais. Bon, sinon, oui. C'est quand que t'avances? Ah non, c'est moi qui contrôle, ok. L'argent. Ah. Ouais, pas grand monde, on dirait. Voilà. Continue de rouler et donne un coup de klaxon. Ce sera peut-être pas si dur après tout. Oula, oula. Quoi? T'as failli nous balancer dans le décor. Ouais. Fallait juste là, en fait. Même pas besoin de traverser le pont. Oh, saloperie. Donc oui, nous sommes d'accord. Erunim n'a pas son permis non plus. Ta gueule, j'ai plus longtemps que toi. Tu dois le respect à tes aînés en plus. Depuis... Tu l'as eu quoi, 3-4 jours avant moi, c'est ça? Non. Plutôt 2 ans avant toi. Ah, t'as plus là, toi? Eh oui. Ah, va te faire, Et là, on est complètement bloqué. Allez, en fait, je suis en train de m'amuser. Bravo. À chercher. Bon, de toute façon, il y a une. Une station. Il y a une station juste à côté. J'ai bloqué la bagnole, c'est magnifique. C'est beau. Alors, je vais voir si c'est possible. Ouais, ouais, j'ouvre la porte. Ouais, dépêche-toi. Attendez, abruti. C'est pas une de nos bagnoles. Ils sont là pour l'otage. Fumez-les. Impossible que tu rentres comme ça. Sans pitié, laisse rentrer que les bagnoles qui ressemblent au leur. Sur un bon coup, bah si ta soeur c'est un bon coup, je veux bien. Hein. Ah, franchement, ouais. Ah, très beau, 10 000 fois l'élite. Ah, tu m'étonnes. Bon, bah alors tout n'est pas perdu, hein. Peut-être qu'on pourra encore jouer à Borderlands avec quelques espoirs.
Par contre, on va peut-être se casser en fait. Oui, moi c'est ce que je fais. Ça m'énerve cette tendance que le gars a quand il est en période de second souffle de toujours rabaisser la vue. Ah bah oui. Il est à genoux en même temps. Oui. Enfin, il est couché allongé par terre, enfin, il se traîne, il se meurt. Ça paraît logique. Alors, non, mais... t'es dans le dust. T'as plus eu de signal écho pendant des heures, je pensais que tu t'étais fait avoir. Pendant des heures, on s'était payé, il y a deux minutes, tu nous as parlé. Cool. Tout ça. Pour lui. Bonjour le temps, bienvenue à l'Autolac nouvelle génération. Avec 47% de morts en plus que les. Non, mais moi, ce que je déteste, c'est quand tu t'es en train de. Pour ton second souffle et que t'es en train de recharger. T'es là. Mais recharge plus vite! Ah tiens, je tombe Brutas. Rechargement des armes, hop. Ah oui, il faudrait peut-être que je le fasse aussi, moi. Je tombe Brutas, j'ai deux jetons. Vas-y, go. Non. J'étais parti pour... je sais même pourquoi d'ailleurs. Pour regarder un truc. Allez. Ça c'est la zone que j'adore, le dust. Ah ouais. C'est la zone pour voiture. Dust, comme la map de... De Counter-Strike. Pas tout à fait, mais presque. Alors attendez, moi faut que je regarde la map. Hein. Sans carte, je suis paumé. Ok, 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 j'avance. Je crois que je me suis planté de route. Non, c'est là. J'aurais dû buter ton gros cul il y a longtemps. Voilà. Pardon, tu disais, parle un peu plus fort. Oh. Ah ouais, j'aime bien comment vous me trollez. En plus, je savais qu'il y avait cette fille dans le jeu, mais je... Elle est mille fois plus... Elle fait mille fois Lilith. C'est sûr que là, il y a plus de boobs, hein. Ahem. Même plus de tout en fait. Elle prend surtout beaucoup plus de place. Je suis pas sûr qu'elle rentre dans le véhicule en fait. Oh bah tu vas voir son véhicule. C'est... Pas envie de lui parler en fait. Sa voix m'énerve. Pas fermer la porte, juste pour qu'on évite de se faire. Moi c'est Ellie. Mon frangin scooter m'a prévenu que tu venais. J'ai pas beaucoup de visites par ici, surtout des canons comme toi. Eh ben. Bon, les gens, faut que je vous dise, mais les gros boobs, d'accord, mais bon, il y a quand même des limites. Oui, oui. Des bandits, points, sang, crâne, ce genre. Tu pourras en récupérer sur leur caisse qui patrouille dans le coin. Ouais, let's go. Faut que tu fasses péter les bagnoles de bandits pour pouvoir récupérer le matos sur les départs. T'as tué ou pas? Oui, oui, oui. Je peux même te dire que je suis en train de. J'ai glitché dans la surface. Alors comme ça, tu t'entends. Loupé! Ah merde! Bien sûr, si je te prends à te foutre de sa gueule. Je t'attache à un distributeur automatique et je fous le feu. Mais c'est super hein, que le courant passe entre vous. C'est chouette, hein. Oh, non, mais il passe pas le courant. Je veux pas l'avoir. Hyménoptère slagué. En fait, ma station autolock refonctionne maintenant. Alors ramène ton derche à mon garage si t'as besoin d'une caisse. Ok. Non, je veux pas. Non. Non, je veux pas. Bravo. Et les deux là, ils me laissent tranquille, tout seul. Bon, et moi j'ai le droit au lot de véhicules, et pendant ce temps-là, eux, ils font ce qu'ils veulent. Bah, c'est pas moi qui conduis, hein.
Aïe. Moi, je suis juste au siège mitrailleur en fait. Ok. Bon. On s'en fout. Je peux rien faire, je conduis pas. On transporte du matériel extrêmement précieux pour Papa Odunk. Et il n'est pas question que je me fasse encore dévaliser. Plus en haut, c'est con. Voilà, ça c'est fait. C'est bon, j'ai une pièce. Non, une pièce de plus. Une pièce de moins, ça sera gênant. Ouais. Ok, le mec qui est en train de chanter la chevauchée du Valkyrie, il se prend dans Platoon. Ah oui, non. Normal. Par contre, ouais, faut qu'on aille... des trucs mais... ouais, les véhicules et récupérer les trucs là. Mais tu conduis encore plus mal que moi. Aïe. Ouais. Salut. Tu m'as piqué la pièce devant moi quoi. Et ça c'est ma voiture. Quelle voiture? Alors où est l'hélico qu'on ne fasse plus chier. Descends l'hélico, tu vas voir. Putain, y'a une pièce à récupérer là-bas. Non, c'est l'autre zone où c'est possible. C'est l'autre zone où c'est possible quoi. Ouais, bah moi j'ai plus de munitions déjà, j'ai plus de vie aussi. Ça va, tu t'amuses? Ouais, je m'amuse. Par contre, ça qui me fasse pas chier. Bon. Attends. Hop, ça c'est. L'avancement, elle est géniale, je trouve. Ah ouais, c'est... Ouais, si on veut. Y'en a un qui a brûlé au soleil, par contre, sur la route. Mais vraiment brûlé au soleil. Tu parles de toi, petit creeper? Hein? Hein? Ah. D'exploser plus loin, hein. Ici, c'est une affaire de grand. Bon. Ce sont les ennemis, sont en train de récupérer les pièces. Ah voilà, ils sont là. On est reparti, hop.
Comme s'ils allaient rien voir venir, franchement. Ils sont pas si cons que ça. Yahoo! J'arrive. T'as une caisse de bandits? Presque. Roland peut tenir le coup face aux sans-pitié, mais en général, j'aime pas le laisser se faire torturer au-delà du raisonnable. Ok. Ah putain. Ah c'est bon. Oh c'est dégueulasse. Non. C'est dégueulasse. Oh là je ne suis pas d'accord. Oh c'est immonde. Je refuse qu'elle me touche. Je refuse qu'elle m'approche. Ouais mais... on va lui faire la totale. Ouais c'est ça ouais. J'aime bien sur ton casque, il est marqué What the fuck, bro. Ok, je me suis pris le poteau. Oh, oh. Ta caisse comme neuve. On va faire quelques modifications et tu pourras y aller. Ok. En plus, c'est moi qui dois faire les modifications. Putain. Sérieux. Ouais. T'as même pas chier, tu vois. Est-ce que je procède quelle parce oh que j'en fous moi. Ok. C'est copate. Ouais ben je suis pas sûr qu'on se revoit. Hein. Non, moi j'avance mieux je me porte en fait. Voir, j'ai baillé un peu derrière, mais c'est trop long. Voilà une bagnole de tueur psychopathe. Ça me plaît grave. Retourne au bloodshot d'un. C'est quoi ce machin? Pour entrer. Deux. Ce que je balance. Là. Machin. Je sais pas. On dirait des nunchaku. Bravo, bravo. T'as bloqué la bagnole. C'est comment le boost déjà? Alors là, là c'est très fort. Deux. Hey what the fuck? Oula, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, j'étais poussé par le véhicule. Voilà, cool. C'était plus la bonne mission. Voilà. Ok, et moi le véhicule s'est mal déployé. Sympa. Ouais, non mais il a fait un truc de malade. Vous regarderez sur la vidéo. Un truc ce véhicule comme, est juste le plus maniable de tous les véhicules. Genre en fait il spawn pas au bon endroit en fait dans le garage, donc du coup il spawn dans n'importe quel sens. D'accord. Là tout à l'heure il a spawn contre le mur. Il a spawn contre le mur tout à l'heure. Ah oui c'est cette arme là, elle est vachement bien. Il faut qu'on aille où en fait? Ah la rage, j'étais à deux doigts. Oh. On doit retourner par là. Ok, on y va. Bon bah Little, tant pis pour ta gueule. De toute façon il va être automatiquement TP. Aïe. Allez vous faire... Mais les yeux. Oh. C'est bizarre mais c'était vraiment nul. Très nul, ouais. Va dire ça Stromae. Pourquoi? Parce que c'est de lui ça. Ah, non. En fait, je m'en fous. Deux. Bonjour là-dedans, bienvenue à l'Autolac nouvelle génération. Avec 47%. Je pense qu'on pourra arrêter là vu qu'on est déjà à 29 minutes quand je suis trop loin. Ouais. Éventuellement. On continue un peu, mais ça va se faire un peu long en fait. Non mais on va s'arrêter là parce que sinon on va devoir rentrer dans la base et tout.
Donc on va aller là-bas après et on va défoncer tout le monde pour aller chercher Roland. En espérant qu'ils soient encore en voilà. vie. Ou qu'on l'ait pas tué à la oui, fin. Ouais. Nous-mêmes. Normalement, il devrait être en vie. Il est bien normalement. Oh, sniper, il m'a l'air. LOL pas... Ouais, ouais. Ah, je savais pas que tu avais ce tir là qui était possible. Nunchaku. Deux. Bah, en fait, tu peux les tirer tout droit, mais tu peux aussi les faire rouler sur le sol. Bah, oui. Mais je savais pas ça. Putain de Nunchaku, quoi. Et ils ont des sacrément véhicules quand même, ces putains de bandits. Ouais. Et nous, on se retrouve... En fait, nous on se retrouve avec des véhicules de merde quoi. On a le plus mauvais mécano du jeu quoi. Non, mais enfin, c'est pour ça que moi j'attendais d'avoir ce véhicule. Hein. Il est hyper maniable, il a de super armes. Bon, je crois qu'on va les arrêter là parce que sinon Littlenut va faire joujou. Ouais. Voilà, moi je le laisse là. Oh, c'est violent. Voilà, t'as plus de véhicule pour faire mumuse. Voilà. C'est bon, on a fini. Ah, ils sont pas tous morts. Oh là là. Y'a marre. Bon. Là, c'est bon. Moi, enfin. Je vous dis à la prochaine et salut à tous, les amis. Salut. Salut.